Voilà, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir avancer dans l'arbre. Et donc voici un des piédestaux pour la Ponybulle. Vous avez inséré la Ponybulle. Oh, un tuyau. N'est-ce pas magnifique? Ouh, ça devient une vraie aventure. Et comme indiqué, n'oubliez pas la Ponybulle, sinon les Ponies restent... bah, bloquées ici à vie. Allez, on fait un petit coup de séisme pour s'habituer, pour prendre le pli sur les timings. Timing du dernier, j'ai toujours du mal. Ça n'a pas changé, ça. Donc là, hop, on peut activer. Donc maintenant, on n'aura plus besoin de faire le tour. Et donc ici, on met la Ponybulle. Ah oui, alors attendez, faut que j'aille faire un truc avant, je crois. Ah non, oui, c'est bon, normalement. Alors, on fouille juste ici pour voir s'il n'y a pas des objets cachés. On a un soleil caché ici. Une foudre, ce qui peut servir au cas où. Et vous voyez ici, en fait, c'est pas de l'eau, c'est une sorte de savon qui fait des bulles. Donc vous faites tomber les Ponies. Et vous voyez, en fait, ils vont remonter avec des bulles. Et vous allez pouvoir, en fait, les faire tomber comme ça. Et donc vous avez plus qu'à traverser pour pouvoir passer. Donc le truc, c'est qu'on va pas pouvoir sauter tout ça parce que... Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que les Ponies ont peur des arachnes. Donc ces ennemis-là, là... Ah, ils ont 5 points de vie, j'avais oublié. Totalement oublié qu'ils avaient 5 points de vie, ces ennemis. Ah oui, attention, quand ils en lancent plusieurs, ils peuvent... ils peuvent changer de cible, ils sont pas obligés d'attaquer tout le temps que Mario ou que le partenaire qui est avec lui. C'est un Zarak. Yeah, j'ai horreur des araignées. Pokémon 5, puissance 2. En plus des attaques normales, elle peut lancer 3 projectiles en série. Attention au timing pour te protéger. Les Ponies aussi ont peur des Zarak. Il suffit qu'il en voit un et il se carapate. Je les comprends. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, on peut aussi les contrer hein, pour les bloquer totalement. Comme ça, on perd pas de vie. Ok. Ah! Donc un nouveau sort, donc il va augmenter les pièces
Donc là, attention, on va se mettre là pour éviter que les pièces tombent à côté. Alors là, vous voyez, il m'en manque, parce que j'en ai que 8 sur 11, donc il y a sûrement des pounis qui sont tombés tout à l'heure. Donc ici, vous avez une petite plateforme que l'on peut utiliser. Alors, je sais plus du tout à quoi elle sert, cette plateforme. Ah, c'est pour obtenir un soleil, tout simplement. Donc, normalement, on en a 3, donc on pourrait améliorer un nouveau personnage. Ah, et je vais vous faire voir l'autre pouvoir, donc l'ouragan, appuyé sur A de la même manière qu'à l'écran. Ok, j'ai complètement loupé parce que j'avais totalement oublié comment ça marchait. Mais tant mieux, en fait, le truc c'est que si vous arrivez à... ça fonctionne. Ça va faire sortir les ennemis en fait du combat, mais vous ne gagnerez rien du tout en fait. Vous ne gagnerez aucun point étoile. Donc en fait, le style avec Cumulia, c'est au moment où elle touche le sol, faut appuyer sur A. Je vais essayer de m'entraîner un peu à faire les contres, mais... toujours compliqué, hein. Voilà, les pounis manquants, ils sont là. Je vérifie, juste des pièces à récupérer. Ok. Oh, ils sont nombreux. On va peut-être utiliser, vu qu'on est à fond, le coup de séisme. Le coup de séisme, hein, de toute façon, ça va être une attaque que vous allez utiliser très souvent pour vider les combats un peu nombreux. Ça peut aussi servir contre les ennemis qui ont de la défense. Par exemple, les clefts, vous pouvez clairement les faire comme ça. Ah là, j'ai réussi. Donc voilà, vous pouvez faire 6 points de dégâts comme ça, donc ce qui est plutôt quand même pas mal. Hop, et on récupère pas mal d'argent. Pas un petit truc caché ici? Non? Ok. Ah bah non, ça c'est... oui, ici il faut le faire parce que... pour récupérer les pounis qui étaient restés en haut. Alors, on continue. Mario, c'était un pic-pic. Et comme je le suspectais, c'est bien les pic-pics qui ont la clé de la cage bleue. Il y a toujours eu des frictions entre la tribu Pony et la tribu pic-pic. D'après Eponibo, la tribu pic-pic s'est alliée aux bandits pour nous déloger. Mais moi, j'étais bien ami avec Piclé. Le Piclé que je connaissais, il se planquerait à l'heure qu'il est. Il chercherait pas la bagarre. Je me demande si lui aussi est devenu un ennemi. Donc là, on va tout simplement aller par ici. Ici, on a un petit buisson, mais pas grand-chose. Regardez, des pic-pics.
Une escouade de pic-pic. Allez, on va leur montrer. Sue au pic-pic. Allons-y. Donc, voilà. Donc là, c'est les combats contre les pic-pic. Ah, on peut plus... Et donc là, en fait, il n'y a que les Pounis qui peuvent faire quelque chose, en fait. Ouais, on a débarrassé le coin de tous les pic-pic. Maintenant, il n'y a plus qu'à détruire la forteresse. Donc, on va pouvoir continuer et normalement récupérer la clé bleue. Clé de cage bleue. C'est la clé de la prison où sont enfermés tous les autres. Emportons-la et allons vite libérer le reste de la tribu. Non, c'est vraiment rigolo les bruitages de quand on marche en fait. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous ? Hé, hey, Punita, qu'est-ce que tu tiens si précieusement ? Un champignon ? Mais il est tout ratatiné ? Oui, je l'avais mis de côté pour mon frère. Mais il s'est flétri. Grand frère, quand vas-tu venir à notre secours ? Ne t'inquiète pas, Punio ne nous laissera pas tomber. Ah oui, il y a même les débris qui restent. Oh, c'est petit détail. Putain, mais pourquoi j'ai plus que 9... Bon, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, on va revenir au tout début de la zone. Donc je vais descendre. Hop. Dit Pugno n'a pas parlé d'un magasin qu'on mouflait dans les environs. Tu devrais essayer de trouver si tu as besoin d'objets, non? Il n'a jamais parlé de ça. Ou alors je m'en souviens pas. Un morceau d'étoile. Donc en fait, il y a un... ici, juste ici, vous avez en fait un passage secret pour une boutique cachée. Bien le bonjour, bienvenue dans la boutique de Poulignon. Reviens quand tu veux. Ce magasin est difficile à trouver, l'idéal pour se cacher de ces types. Moi, je compte rester ici jusqu'à que ça se calme. Seulement, on dirait qu'il cherche quelque chose. Je me demande bien quoi. Hmm, tu saurais pas quelque chose, toi? Donc déjà, on va se régénérer ici, c'est parfait. Oh, Piclé! Et là, pas de ça ici. Il a dû se cacher dans les cartons. Mais ce n'est qu'un môme. Oh, un bébé Pic-Pic. Il est pas trop mignon? Un petit comme ça, ça fait de mal à personne. Laissons-le en paix, Mario. Oh, le pauvre petit. Oui, il nous regarde avec des yeux si tristes. Il m'a fait penser à moi, la fois où j'avais oublié mon texte sur scène. Se pourrait-il qu'il veuille devenir notre ami? Le petit Pic-Pic acquiesce sans rien dire et il rejoint le groupe. J'ai entendu les rumeurs, Dame Cumulia, le petit Pic-Pic, tout ça, Mario. Tu es vraiment habile pour t'attacher le cœur des gens. C'est vraiment une qualité que j'aimerais avoir. Ah bah j'avais oublié ce détail que Piclé pouvait nous rejoindre. J'avais totalement oublié ça. Donc ici on a aussi des nouveaux objets, donc mini qu'on avait déjà vu, le mystère qu'on a déjà eu dans le jeu, et donc le roc glace. Donc envoie une rafale glacée sur les ennemis qui peut geler. C'est une puissance de 3 et l'aspiracœur, donc ça inflige 5 points de dégâts à un ennemi et rend 5 points cœur. Donc c'est comme un cœur, mais qui fait des dégâts et qui nous régène. Et j'avais totalement oublié qu'on pouvait être rejoint par Piclé, vous voyez, en ça, je pense pas que ça a été rajouté. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai oublié. Ça m'énerve de pas avoir les 11 là, ça me gonfle. Où est-ce qu'ils sont passés? Pourquoi ils... Ah, ils se sont bloqués dans les débris, en fait. Ok.
Donc, on va tout simplement revenir à l'entrée de la zone pour aller chercher les autres Pounis. Donc là, bon, bah, c'est juste de la... c'est un aller-retour hein, au niveau des cages. Le truc que je vais faire, c'est que je vais les laisser de ce côté. Je vais pas les récupérer. Bah, je vais pas les faire passer de l'autre côté parce qu'on y repassera de toute façon. Et vous inquiétez pas, Pugno est obligatoire, donc il va apparaître automatiquement quand on va... On va avoir une cinématique. Donc nous revoilà ici. Punita, j'ai apporté la clé, je vous sors de là. Grand frère. Punita. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu n'as pas eu peur? Oui, je vais bien. Ouf, tant mieux. Ah oui. Je pensais te l'offrir, mais... Grand frère, tu adores les champignons, n'est-ce pas? Mais il est un peu flétri. Grand frère? Il n'était pas bon, n'est-ce pas? Pardon. Ponita, tu ne savais pas? J'adore les champignons qui sont un peu ratatinés. C'était si bon que je suis resté sans voix. Grand frère? Ponita? Arrête, devant tout le monde, c'est un peu gênant. Merci. De rien. Et donc voici les 90 Pounis restants. Donc maintenant, nous avons 101 Pounis. Enfin, 91, vu que les 10 autres sont bloqués de l'autre côté du passage. Et donc, nous voilà partis avec le pack de Pounis. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'ils soient tous réunis avant de rentrer, parce que c'est un risque de les perdre s'il y a des petits virages à la con comme ça. Toujours à 91. Donc là, on passe tous nos Pounis. Et voilà, on a nos 101 Pounis, c'est bon. On va pouvoir avancer. Enfin, on a nos 101 Pounis et un pic-pic, qui n'est pas compté. Je sais même pas si on le voit encore, le pic-pic dans le tas. Tellement ils sont nombreux, là. Ah oui, il est là, je l'ai vu. Attendez, je les amasse un peu, là. Ok. Alors là, le truc, c'est que je me souviens ce qui va se passer. C'est qu'ici, voilà, il y a des... Il y a des arachnes. Enfin, des arachnes. Je sais pas pourquoi je veux les appeler des arachnes. Ok. Un petit multibon. Allez, un petit multibon. Ah oui, c'est vrai que ça fait que un dégât le multibon pour le moment.
Ok, le contre. Ah, loupé. Ok, bon, ça se passe plutôt bien, c'est pas trop compliqué. Et malheureusement, on en a un deuxième. On en a peut-être même un troisième sur le chemin, je me souviens plus trop. Oh là, ils sont nombreux. On va utiliser, on a eu une foudre tout à l'heure. On va l'utiliser. Comme ça, on va se débarrasser des ennemis rapidement. Parfait. Est-ce qu'il y en a un dernier? Non. Tiens, il y a une flèche ici. Comment ça se fait? Normalement, voilà. Ici, on a un petit bloc caché. On n'a pas nos soins punis, je sais pas trop pourquoi. Il y en a qui ont dû rester en haut. Oui, ils sont là-bas. Ah oui, j'ai pas récupéré le badge. Donc, il y a l'esquive dégâts. Donc, pour les partenaires, je crois qu'il y en a, ils sont tombés. Ah non, ils sont là. Pourquoi ils sont pas venus? Voilà, c'est bon, on a les 101. Toujours un peu compliqué ici pour circuler. Hein. Vous voyez, le passage est très, très petit. Alors, je pense que la flèche est pour indiquer où est le... Où est le... la boutique, je pense. Ouais, c'est bon, on a bien nos 101 punis. Parce que là, vous allez avoir besoin de tous les punis, parce que vous voyez, on en a un bon pack. Voici les pic... Voilà les pic-pic. Un régiment de pic-pic. Allez, pas de quartier, suis au pic-pic. On y va, Mario. Donc voilà, on peut assommer en fait les pic-pic avec Cumulia. Ce qui va nous permettre normalement de gagner facilement comme ça. Voilà, il en reste plus qu'un. Impeccable, on a débarrassé les lieux de tous les pic-pic. Il en reste plus qu'à détruire la forteresse. Et voilà. Ok, lui, on l'a eu. Alors tiens, on va tester un truc, parce que je ne sais plus si l'écrase, ça... Ils prennent ça comme un saut. Je crois que si. Ouais. Ouh, le petit compte qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Hop là, le petit style. Malheureusement, je ne peux pas taper avec... avec Cumulia, donc on va juste faire ça et on va espérer que le contre repasse. Ah non, c'est un Vénard qui est passé. Parfait, comme ça en plus on recharge à fond notre énergie étoile. Il nous reste que 10 points étoiles pour avoir un petit level up. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va taper tous ces buissons pour vérifier. Rien d'extraordinaire. Un morceau d'étoile était caché ici.
Ok. Ah bah là, il y en a 4, donc en vrai, ça va être le bon moment d'utiliser le coup de séisme. Et peut-être même de gagner le level. Donc, c'est reparti du timing. Oh là, j'ai eu peur d'appuyer un peu trop tôt. Ah, trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. Bon, normalement, c'est suffisant pour les battre, de toute façon. Et on a assez pour le level up. Niveau plus. Donc bien sûr, on va prendre les points cœur. Parfait. Comme ça, on est comme neuf. Et là, il faut 100 Impuni. Let's go, on les a. On a inséré la Punibulle. Hein? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Yo, yo, yo. Crétin, mon piège a parfaitement fonctionné. Je l'ai fabriqué d'après ces machines que vous utilisez et paf, je vous ai collé. Ah, ah, quelle bande de nouilles, je me marre, quel nul. Eh bien, maintenant que j'ai viré Jenner, je vais pouvoir chercher la gemme en paix. Ah, ah, ah. Mario, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici? Mais comment faire? Donc on va récupérer ça, et bien sûr nous on peut sortir. Mario chéri, il doit sûrement y avoir un moyen de libérer les Punis. Mario, nous comptons sur toi.